au bonheur des dames. Oh les filles! Je suis sorti avec Hélène. Dans un café, on s'est assis. Quand je lui ai dit que je l'aime, elle m'a dit qu'elle m'aimait aussi. Le lendemain, je lui téléphone. Elle me dit que tout est fini. Sorti avec Monique, au cinéma on est allé, et au moment le plus tragique, elle m'a prié de l'embrasser, et comme je suis une fille pratique, je ne me suis pas fait prier. Marcel. Il est sorti avec Marcel. Je suis sorti avec Marcel. Il est sorti avec Marcel. Je suis sorti avec Marcel. Il est sorti avec Marcel. Je suis sorti avec Marcel. Il est sorti avec Marcel. Dans le métro, on s'est rencontrés. Il habite tout près de Sarcelles. Alors je l'ai accompagné. Arrivé près de sa HLM, il me dit j'aime pas les PD. Sorti avec Karine, car elle ne m'a rien demandé. Elle est si douce, elle est si fine, et j'aime ses beaux yeux étonnés. J'aimerai toute ma vie Karine, et rien ne pourra m'en empêcher. Sont encore, pardon, elle est toujours là, au bonheur des dames, les filles. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Est-ce qu'on peut avoir, Gilles, un gros plan de monsieur Lamy, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut avoir... Voilà, regardez. Est-ce que tu peux, très honnêtement, dire bonsoir à tous tes clients, parce que tu es un chef d'entreprise sérieux, et ce soir, pour nous faire plaisir, monsieur Lamy, vous êtes habillé comme ça, ce sont vos vrais cheveux, bien entendu. Bien entendu. Et votre vrai rouge à lèvres, bien entendu. Absolument, oui. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, monsieur Vincent Lamy? Je voudrais surtout remercier mes banquiers. La Banque de la Cité, la Banque Ouais. C'est ça, oui, d'accord, ouais. Très bien. Par exemple, pour m'aider à... continuer dans l'audiovisuel, puisque, comme vous le savez, oui. Je sévis dans ce domaine-là. Oui, mais qu'est-ce que vous faites? Dites-moi ce que vous faites. Nous faisons beaucoup de... Non, vous êtes patron d'une grosse boîte d'audiovisuel. Une grosse boîte qui c'est s'appelle ça. RIF et qui fait de la télévision, de la pub, de l'institutionnel, etc. Ouais. Voilà. Et pourquoi vous acceptez de temps en temps de venir faire les fous deux fois et chez nous, déjà? Uniquement pour faire plaisir à Gérard Louvain et Daniel Moine, oui. Parce qu'avec vous, nous n'avons jamais eu vraiment de contact assez intime. Il fallait le dire, j'aimerais que rapidement on aperçoive tous ces artistes, ces grands artistes aussi. Chiti Telawin, oui. Gérard Manjoué, Rita Barantalou, Gepetto Ben Glabros, Casse-Pipe et Ramon Pipin. Et qui? Léo Bonheur des Dames. Qui?
il faut le préciser, malgré leur grand âge, ont accepté de participer à cette soirée ce oui, soir. Oui, mais nous répétons pour l'année prochaine, car nous viendrons dans les années Twist, vous chantez Twist à Saint-Tropez. D'accord, avec grand plaisir. Daniel me l'a promis. C'est d'accord, voilà. C'est d'accord, ce sont vos affaires personnelles. La perruque, Jean-Pierre. La perruque, oui. La perruque. Allez, non, c'est, pas de non, c'est pas possible. Non. Je suis nul. Merci beaucoup. Mesdames, c'était messieurs. La perruque de Dick Rivers. Demain, il va être obligé d'annuler un gala à Nice. Merci Gérard. Émotion maintenant. Bah oui. On peut pas être plus ému. C'est ça. Avec quelques images, on va retrouver bien entendu toute l'équipe de Meneurs des Dames. Quelques images souvenirs maintenant et des succès à l'appel avec Joe Dassin. Regardez Joe Dassin. Je veux la voir et je l'aurai. L'Amérique, si c'est un rêve, je le saurai. Tous les sifflets de train, toutes les sirènes de bateau m'ont chanté 100 fois la chanson de l'Eldorado, de l'Amérique. Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. À la vie, à l'amour, à nos nuits, à nos jours, à l'éternel retour de la chance, à l'enfant qui viendra, qui nous ressemblera, qui sera à la fois toi et moi. Toute la vie sera pareille à ce matin, aux couleurs de l'été indien. Souviens-toi, c'était le grand jour, le grand pas vers le grand amour. C'était encore mieux que ça, c'était nous deux, il était une fois. Dans les yeux de l'amour, c'est le dernier soir, un peu dans le souvenir du discours. Voilà, avec Au bonheur des dames, je m'excuse encore une fois, hein, mais c'était un ordre, bien entendu, de la haute direction.